Bonsoir à tous, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2-3 petits détails qui ont changé. Alors du coup, je vais faire cette petite vidéo hors série, juste pour vous expliquer les changements. Vous avez remarqué qu'on s'appelle désormais Virtual Football Roleplay et Los Santos Police Roleplay, parce qu'on va se diversifier un peu dans les vidéos. Donc une partie foot virtuel qui ne change pas, ça reste ce que vous aviez l'habitude de voir, à savoir des matchs commentés lors d'une saison complète virtuelle, dans les conditions du réel avec le plus de réalisme possible. Et parallèlement par contre, comme dit le nouveau nom de cette chaîne, je débute une série roleplay avec un mode pour GTA V qui s'appelle LSPDFR. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, concernant la partie roleplay et football, il va y avoir un petit changement puisque j'ai conscience que vous recevez beaucoup de vidéos dans vos fils d'abonnement. Et du coup, pour chaque journée, je peux facilement en produire personnellement 5 à 8, ce qui est considérable et pour vous et pour moi. Alors pour que ça reste plus compact et que ça reste intéressant pour tout le monde, j'ai supprimé les playlists club par club pour ne garder que la playlist de la saison de Ligue 1 que je suis en train de faire actuellement. L'autre nouveauté donc, c'est que je ne vais plus faire le planning actuel, à savoir le match d'ouverture en entier, les deux suivants qui étaient en résumé commenté, un multiplex pour le samedi soir, un résumé commenté du dimanche 14h, celui du dimanche 17h et enfin le live intégral commenté du dimanche soir de clôture. Bon, c'était beaucoup trop. À la place, je vais faire un format que j'ai déjà utilisé assez souvent, le format multiplex but à but, voire plutôt le résumé de la journée en fait, qui est légèrement différent et qui est clairement inspiré du résumé de la journée de la LFP, le vrai. Donc je l'ai testé lors de la 8ème journée je crois, et c'était plutôt pas mal enregistré, pas mal à faire, j'ai eu de bons retours dessus. J'ai donc décidé que ce sera ce format désormais, ce qui fait certes une seule vidéo par journée, c'est beaucoup moins que les 8 actuelles, mais je n'exclus pas de faire de temps à autre des matchs en intégralité, par exemple sur des derbies ou des classicos comme Lyon-Saint-Etienne ou PSG-OM ou les autres. Et n'oubliez pas qu'à côté il y a aussi le roleplay manager avec le FCMS, qui est encore un truc différent cette fois sur FIFA 17. Là on garde le format actuel, des épisodes de roleplay narratif de 15-20 minutes qui sortent avec un peu plus de battements entre chaque. Bref, je résume, désormais le format de la chaîne c'est une voire deux vidéos sur le roleplay Ligue 1 FIFA 16 pour chaque journée, sans compter évidemment les épisodes sur la coupe, la C1, la C3, etc. Les vidéos narratives du manager FIFA 17, et enfin les épisodes de LSPDFR sur GTA 5, le tout dans les trois playlists que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Merci en tout cas à tous de m'être fidèles, de mettre des pouces bleus quand ça vous plaît, de me laisser vos commentaires et impressions pour que je m'améliore, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, si ça vous plaît, abonnez-vous, si ça vous plaît pas, bah abonnez-vous quand même, ça coûte rien. Alors à très vite sur Virtual Football Roleplay et Los Santos Police Roleplay. Ciao.